ami. Notre, pan ki se deuxième chef gang, Bas Gang Griffin en dans sa vie, valet de l'eau dans la ak tout casse mange la donne. Hier qui était dimanche 7 mai 2023, selon média ça qui c'est Trip Fourmi Info, mes chers amis, qui s'écrivait non trop. Selon Trip Fourmi Info, monsieur et fin boyon extrait de Malte, après monsieur vin sentil pas bien et puis monsieur tombé gigoté jusqu'à ce que monsieur rende dernier bout de souffle. Et selon information qui partagé, Nèg Bas Gang Griffin qui gen nan tèt li Luxon ta déjà meté monsieur dans un morgue privé dans commune Petite Rivière de la Tibonite. Mes chers amis, eh bien si nous capable faire Trip Fourmi Info et confiance et avec quelques autres sources, nous checker dans département Artibonite là notre pan qui c'est deuxième chef nan gang Bas Gang Griffin under sa vie monsieur Valet de l'eau dans la, monsieur rejoignant Timakak, monsieur rejoignant Gaspiaye, de Gokwe de Patsayo, récemment là, qui t'a rejoignant Baron, mes chers amis. L'autre information nous porte pour vous, qui a dominé l'actualité, c'est concernant premier chef gang Bas Savien, qui c'est Luxon. Pendant le week-end qui s'est passé là, internet là, t'es enflammé. Information tap tombé tant kou gren la pluie comme quoi Luxon lui-même li té mouri. Et bien selon information nous-même nous gagnen beaucoup de pattes ça pas mouri, monsieur toujours dans département Artibonite là la baye moun problème et monsieur c'est un accident motocyclette li té fait mais monsieur pas mouri vraiment jan moun a dit monsieur mouri vraiment monsieur pas mouri et bien c'est un accident li fait selon information nous joine. N'a toujours été dans département Artibonite là pour nous parler de situation problème insécurité qui va l'éterrer dans département ça. Moi t'ai partagé vidéo et information ça ensemble avec nous concernant environ 14 moun qui t'est sauvé dans Bas Gang Griffin moun yo t'est kidnappé. Et bien gagné deux nan moun yo mes chers amis qui a sauvé, qui t'a passé par Jean Denis, eh bien, population a kembe tout de moun sa yo, et le chef gang à Luxon, vin pran yo, et puis Luxon débarqué, li touye tout de moun sa yo lage nan dlo, mes chers amis. Pour plus de détails, entendez yon correspondant Radio Télévision Caraïbe, qui te sou Grand Boulevard, kap bayan plus de détails. Matin et Mambaz à Gang Griffin yo envahi route nationale numéro 1 et selon information yo chef gang là qui c'est Luxon Elan monsieur t'a fait un accident sous moto donc mais ça pas plus grave malgré opération bois calé population li déclenché en compte bandio a tout fait qui fait pas Bas à Gang Griffin yo envahi route nationale numéro 1 yo déjà détourné plusieurs tibus qui gen en pile monde la donne donc pas gagné blindé sur route nationale numéro 1 demandé avec tout pour nous en pile prudence donc si toutefois fréquenter route nationale numéro 1 parce que population yo déjà bloqué route nationale là puisque gen rumeur cap circuler comme quoi eh bien tu as gagné possibilité que tu as retiré blindé qui trouvé dans département de la Tibonite une information n'a bien pour nous parler un peu plus tard avec directeur départemental là puisque Mounio yo bloqué route nationale numéro 1 mais chef de gang Luxon Elan donc monsieur qui t'a sorti sur route nationale là monsieur fait accident mais ça pas plus grave que ça dans localité eh bien qui trouvé lui particulièrement eh bien Bois la ville donc bandit Axan qui fait partie de base à Grand Griffin yo touyé deux otages qui eux-mêmes t'est sauvé et qui t'est prend direction Jean-Denis à côté membre coalition avec Timépri ainsi qu'onni t'est porté secours à bay Mounsayo yo t'est bayo manger rad yo t'est point et t'est prend soin yo sur le plan médical puisque yo t'est avec aller avec yo dans dispensaire gagné deux nan Mounsayo à Gerrier donc qui yo même t'a retourné la caillou vraisemblablement il t'a semblé que Mounsayo il t'a allé du côté de Verrette puisque à direction yo t'est prend c'est direction et eh bien pour aller particulièrement et dans zone et Chaudière donc c'est là il t'a pas essayé passer pour aller la caillou mais malheureusement que Mounsayo yo pas connait zone très bien
Donc, il a tombé dans une localité qui est en Sévi, qui est tout près à Savien, première section communale qui est la Timonine. Et selon information, c'est un habitant dans la localité ça qui a alerté chef gang, Lixon Elan, qui était venu prendre Mounsayo. Et par la suite, monsieur Tapral Fizeyo, dans une localité qui est tout près à qui est à Bois-la-Ville, et la gué à Cadavla, Cadavio. Eh bien, non, rivière la Tibonite. Et puis, en ce qui a trait opération Bois-Calais, nous connaît qui a réalisé en pile côté dans le pays, particulièrement dans le département de la Tibonite, dans la zone à Vénot, 4e section de Haute-Semac. Eh bien, habitants, ils ont organisé en brigade à vigilance. Côté, eh bien, il y a barré à gauche, tant qu'à droite, eh bien, pour empêcher bandits qui a sorti dans l'autre zone, particulièrement dans la capitale haïtienne. Pour ne pas prendre refuge, ou du moins pour ne pas traverser, puisque il n'est pas bien, route nationale, il pratiquement il paraît difficile certaines fois. Donc, ce qui fait que ont utilisé un autre route qui est grand fond, et c'est là qu'ils ont passé pour être capable de retrouver eh bien, aller du côté de commune Liancourt, ils sont capables de rejoindre facilement, eh bien, soit même Tigriffe ou bien Grand Griffe qui trouvait dans sa vie. Et puis l'autre information, eh bien, c'est hier dimanche là, donc ils arrivaient à chanter funérailles symboliques. Maître André Achaleus nous connaît que à tout faire à Pétouyel du côté de commune Montoui dans cadre du conflit terrien qui existait entre habitants délugé avec habitants non Piat donc jusqu'à présent et guerrier il pas joindre cadavre là mais il fait ça il est yo funérailles symbolique pour mettre là donc côté il était à Touyel et par la suite d'après la guerre à cadavre là avec roche non la mer n'a faut quitter département Haute-Tibonite là pour nous faire pirouette dans département Grand-Anse ensemble mes chers amis côté ti Masmikob chef gang Izo yo continuer à prendre Bois-Calais tout côté yo passé dans paysan et bien moun Grand-Anse tracé un exemple sous yon gros coué qui rele Richcade selon information qui partagé monsieur c'est soldat base en 5 secondes qui dirigé par Izo et bien force l'audio te mette monsieur en bas code et yo te allé ensemble avec lui dans yon commissariat dans une zone qui rele Corail population qui était vraiment sous brezen yo dit pas gen bagay comme ça depuis nous identifier ces bandits néglanyé pas une question pas balboa car les yo débarqué dans commissariat dans zone Corail yo prend monsieur yo bali bon Jean Bois-Calais mes chers amis et gagné dans zone Dichiti dans Jérémy population kembe 8 ans présumé gros coure de patte qui t'a quitté Port-au-Prince pour venir caché dans département yo bali en deux là-dedans yo bon Jean Bois-Calais et puis yo mette 6 lots en bas code entendez un correspondant Nagodan sa kabayan plus détail mes chers amis. Opération Bois-Calais a guéri sorti dans commencement weekend là pour arriver et moment n'a parlé là faire un bilan assez considérable que nous devons partager avec citoyens honnêtes crédibles dans pays Haïti ou dans pays étranger. Dans du city zone ravine citoyen même population si là après avoir été identifié 8 mauvais zangui qui t'a sorti dans Port-au-Prince à bord d'un autobus pour venir Jérémy, yote tiré de la dano et yote mette du feu sur yo. Six lot yo, la police te prend contrôle yo. Dans la commune Corail, après la police te fin arrêté Richcade et Siconi, qui identifié comme membre et gang 5 secondes qui gagne un tatou souli. La police te mette monsieur dans Galavie, commissariat Corail, hier dimanche, là, et même population, hein, dans le Corail, l'entrée prend présumé bandit criminel là, dans le garde à vue commissariat, il a tiré et il a mis du feu sous le corps. Et l'opération a la poussée dans Jérémy, zone décadée, une localité qui partage commune Jérémy à commune Mafan. Habitant dans la localité, si là, le 8 juin, pendant le week-end, il y a un jeune garçon criblé à balle sous le col, deux points limarés, et tout récemment, nous faisons état de Mackinson Balin, dans la commune Anzeno, zone 3e section Bouchimaret, avec Anzeno et qui tabré sans innocent dans balle 5 secondes dans Port-au-Prince, qui vient réfugier la Kaili, à Katout Souli, battant clan Lio, et il faut que nous, population dans Bouchimaret, du conseil avec la police, nous appliquer et
formule Bracalea dans Jean par mon donance et dans une bandi armé à tout fait sans foi ni loi et quelqu'un capable d'où qui t'a signé panique et la Port-au-Prince et le moment n'a parlé là information t'a fait quoi en pile là moun sa yo qui prend l'habitude et fait exaction sur population en Port-au-Prince yo se moun gendance comme ça la police lui-même t'a redoublé vigilance ensemble avec la population pour voir comment nous capable d'aller ni par terre ni sous la mer.